quand on pressure, on met alors, il y a le tracteur qui est là avec une remorque. On branche le tuyau sur la remorque et on envoie directement ce soir. Ah oui, on est aspiré. Voilà. Je m'appelle Philippe Forêt, je suis viticulteur ici sur Solutré-Pouilly depuis 35 ans. J'exploite environ 4 hectares en métayage. Le métayage, c'est... j'ai des propriétaires, je ne suis pas propriétaire de mes parcelles et je les travaille, on partage la récolte à 50%. Chacun, propriétaire métayage. Voilà. On a beaucoup de difficultés à trouver des vendangeurs. Pour quelle raison, ça je ne sais pas, les gens ne veulent pas, probablement plus travailler. Donc c'est vrai qu'on est très intéressé par les jeunes qui veulent faire une première expérience. Le seul souci qu'on puisse avoir, c'est que comme ils viennent de loin, c'est les problèmes de logement. Autrement, on a toujours été très contents des jeunes de la MJC. Ça fait la quatrième ou cinquième année qu'ils viennent ici et franchement, on est très satisfaits. Alors le fait de faire affaire à... d'être en relation avec une MJC, ce qui est bien, c'est que les jeunes sont formés, sélectionnés, et puis on a tous les renseignements nécessaires quelques jours avant, parce que c'est une grosse contrainte de déclarer tout le monde pour quelques jours de travail, et donc c'est vrai que c'est vraiment sympa. Et puis il y a de bonnes relations, puis franchement ça se passe très bien, donc moi je vous encourage à continuer, même quand je serai à la retraite, on va vous trouver d'autres gens, d'autres propriétaires qui sont très contents d'avoir des jeunes comme ça. Voilà. Non mais regarde, l'homme fort arrive avec le maillet. Ah oh, merci Robin. Robin Chon. Du coup Romain Gaillard, donc je suis gérant avec mon père du domaine. Donc on exploite 12 hectares sur plusieurs appellations. Donc Mâcon Village, Saint-Véran, Pouilly-Fussé, Beaujolais Village. Donc on fait appel à MJC parce que on a des difficultés de recrutement depuis quelques années. Donc ça fait 2 ans qu'on travaille avec la MJC. Donc on a à peu près 5 jeunes depuis 2 ans qui travaillent plutôt très bien, très sympathiques et très enthousiastes de découvrir la région et de manger. Donc ouais, difficultés de recrutement. Pour 25 vendangeurs, on arrive à recruter 35 personnes pour en avoir 25 le premier jour, quoi, entre ceux qui se désistent la veille et puis ceux qui viennent pas sans nous prévenir. Donc voilà, l'avantage de la MJC, c'est qu'on est sûr que les jeunes sont là le matin. On a plein de jeunes qui attendent qu'une chose, c'est de travailler. Nous, on en a déjà. C'est bien. Non mais c'est bien de le dire. Et d'aller c'est voir bien, ailleurs. C'est bien de le dire. Et puis de sortir de la Normandie, de voir autre chose. Et là... Mais effectivement, de passer après, 10 jours à 3 ou 4 mois, ça commence à être intéressant. Ouais. Après, l'hiver, c'est peut-être un peu plus compliqué. Maintenant, on a quand même une période d'été où on a 2 mois, on va dire, une grosse période où on embauche 4 ou 5 personnes aussi. Ça nous intéresse. Oui. Donc, on peut se faire relais. Nos structures, je sais pas, on a arrêté 2 ou 3 jeunes en plus de 2 saisonniers qu'on prend ici, ouais, ça peut être intéressant. Les gars, on met la détour, la tête. Du coup, c'est là qu'on se posait le soir pour faire la fête, etc. Donc là, c'est des petits bancs, il y a un petit cendrier, un autre banc. Là, il y avait un frigo avec congélo, du papier toilette. Bon, on était royaux. Donc du coup, regarde, là t'as ton raisin. Alors, tu prends ta serpette. Bon là on en a pas. Tu coupes juste là en fait. C'est juste là, la petite tige verte, là tu tires. Ça va tout seul. À la main ça peut le faire. À la main ça va pas le faire. À la main ça va pas le faire. Ça dépend pour lequel. Tu vois. Puis tu vendanges quoi, t'as un seau qui est juste à côté, tu vendanges et puis tu découpes tout ton raisin. Et moi t'as le porteur qui arrive comme ça. Tout ton raisin, t'as le porteur. Le porteur il est là. Toi tu vides ton seau dans ma hotte là. Ouais. Oui. Hop là, le saut dans la hotte. Et moi j'arrive, je vais à la benne comme ça, je monte l'échelle, je me penche et là tout le raisin. Hop, dans le truc drôle c'est que certains ils balancent du raisin pourri et du raisin blanc. Ouais.
Et un petit truc qui est sympa, c'est que quand tu te coupes, tu prends du raisin blanc, tu sais, puis t'écrases le raisin blanc et ça cautérise. Ça, c'est bon à savoir. La tête dans le cèpe, là. La tête dans le cèpe, là-haut. Je m'appelle Alain Lardet, je suis viticulteur dans le Beaujolais. Je suis adhérent à la cave coopérative du château de Chénor. Pour la simple la raison que ça mutualise les frais de matériel de vinification, et puis ils ont un bon système de commercialisation qu'on ne pourrait pas forcément mettre en place en tant que particulier. C'est surtout les deux raisons principales, c'est ça. Voilà, c'est énormément dur. Quand on est situé entre deux villes qui représentent un bassin de 100 000 habitants et puis que vous passez une annonce et que vous n'avez aucun prétendant, voilà, c'est très très dur. Donc on est arrivé vendredi et en fait on a travaillé 6 jours exactement, on est resté 8 jours le temps de s'installer tout ça. Et donc on était logé, nourri, blanchi chez Alain Lardet. On a très très bien mangé, c'était super, ouais, l'accueil était très bien. Le petit casse-croûte du matin avec le petit verre de vin était super. Le petit pinard. Et puis c'était franchement un bon séjour et puis c'est à conseiller à plusieurs personnes parce que franchement c'était pas mal. Ouais, c'était une bonne expérience, franchement, c'était cool. Les premiers jours sont durs, mais après ça passe tout seul. Ça fait des rencontres, ça fait des potes, c'est cool. Ouais, et puis l'équipe est sympa, c'est super convivial. Donc ça fait pas mal de potes en plus. T'avais la tête dans le cep. Ah, la tête dans le cep, c'est ça. Et ouais, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Moi, j'ai entendu parler du projet sur un forum pour trouver du travail pour l'été, des trucs comme ça. J'ai entendu ça. C'est quoi? C'est la maison des compétences de Lisbonne. Et puis, moi, c'est ma conseillère de mission locale de Tito qui m'a dirigé vers ce projet-là. Donc, quand elle m'a proposé ça, j'étais vraiment chaud. Pour moi, c'est comme si c'était une première. J'ai vraiment voulu, malgré mon travail en ce moment, j'ai vraiment voulu prendre justement des jours pour participer à ce projet-là. Et moi, du coup, c'est parce que j'ai discuté avec Olivier, mon conseiller de mission locale. Et moi, ça fait un bail que je voulais faire les vendanges. J'avais déjà fait la cueillette des pommes et des poires, et du coup, je voulais faire le raisin. Et moi, ouais, ça m'a plu. Et du coup, la question un peu plus chiante, c'était quoi? C'était les points positifs et négatifs, s'il y en a? Bah, les points positifs, ouais, super bonne équipe, le patron est sympa, on a une petite bouteille de vin à la fin du séjour. Points négatifs, il y a presque rien à dire. Ouais, au début, c'est marrant parce qu'il y avait pas mal de monde qui disait, ouais, je reviendrai pas, c'est un taudis, tout ça, et au final, c'est tellement sympa qu'on n'y fait même plus attention, on est tellement fatigué que même si c'est des matelas nuls, on dort bien. C'est là, je crois. Okay. C'est les délits.